Bienvenue à cette capsule sur les grands nombres et comment arrondir. Les nombres s'écrivent en regroupant les chiffres par 3. Le regroupement nous aide à identifier les unités. Dans ce nombre, si nous les regroupons par classe, la classe des unités, la classe des 1000, la classe des millions, ce sera plus facile. Allons-y. La classe des unités, 300. 86 unités, la classe des 1000, 854 000, séparés par un espace, et la classe des millions, 67 millions. Le chiffre, ici, est plus facile à lire, 67 854 386. Dans le nombre suivant, 124 millions, 578 000, 236. Vous avez ici la classe des unités, la classe des 1000 et la classe des millions. Les unités sont ici, unités, les dizaines, les centaines. Vous avez par la suite les unités de 1000. Vous avez les dizaines de 1000. Et vous avez les centaines de 1000. Par la suite, vous avez la classe des millions, toujours par les unités. Unités de millions. Je vais rajouter mon S. Dizaines de millions. Et les centaines de millions. C'est de cette façon que chaque position et chaque chiffre ont un ordre et un nom. Petit rappel sur les nombres après la virgule. Dans le nombre 456,786, centaines, dizaines, unités, la virgule, après la virgule, vous avez la dixième, la centième et la millième. Petit rappel sur comment arrondir. 456,38. Si je veux arrondir ce chiffre à l'unité, l'unité, c'est le 6. Je viens faire une petite marque après le 6. Si le nombre après cette marque est plus grand ou égal à 5, j'élève le nombre 6 d'une unité. Donc 3 est plus petit que 5, 6 va rester inchangé simplement. 456,38 arrondi à l'unité sera 456. On n'est pas obligé de marquer des 0,00 après. Si je veux arrondir maintenant ce même chiffre à la dizaine. Dizaine, c'est la position du 5. Coupez immédiatement après la dizaine. Regardez le chiffre qui suit. 6 est plus grand que 5. Je vais donc élever le nombre 5 d'une unité, ce qui donnera 4. 6. Ici, le 6, je remplace par 0. Je ne suis pas obligé de marquer les 0 après la virgule, mais avant la virgule, je suis obligé. Donc, 460.
si vous voulez arrondir à la, au dixième, vous coupez après le dixième, qui est la position 3, vous regardez le chiffre qui suit, il est plus grand que 5, alors vous montez, vous rajoutez une unité à 3, ce qui fait 4. 456,4. Merci et à la prochaine.